the light on. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une séance commentée. Il s'agit d'une séance de barre au sol. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu car la veille Rox m'avait fait une super séance de plat et je me suis dit que ça allait lui faire plaisir de varier un petit peu le travail, de voir autre chose. Et c'était aussi l'occasion pour lui de travailler l'engagement, le dos, etc. Donc voilà, on a fait une petite séance et je vous laisse avec la suite. C'est parti! Donc j'ai commencé la séance avec ma détente habituelle, hein, donc beaucoup de pas au début raine longue et après je suis remontée progressivement. J'ai fait quelques arrêts qu'on voit pas forcément, un petit peu de reculer, etc. Et ensuite je galope automatiquement. Voilà, je ne trotte jamais avant de galoper, vraiment le galop ça permet de se délier et c'est moins brutal comme allure que le trot. Du coup voilà, bon, pas de commentaires sur mes mains, je sais que c'est mon gros défaut en ce moment, bah, mes mains et mes jambes, ça va pas, mais j'y travaille vraiment. Donc s'il vous plaît, pas de remarques à ce sujet là dans les commentaires parce que ça va me saouler, j'ai pas besoin de coach virtuel. J'ai déjà un instructeur qui fait très bien son taf je pense. Comme vous pouvez le voir, Rox a toujours un balancier assez fort de la tête, alors je sais pas si c'est vraiment mes mains qui sont responsables de ça, je pense aussi que c'est sa façon de faire parce que même moi j'ai la tendance à beaucoup s'articuler comme ça. Ça se règle petit à petit mais pareil il faut le temps. Et ensuite du coup j'attaque le travail au trot assis, comme vous pouvez le voir c'est toujours des mouvements de tête mais bon, ça commence à progresser. Regardez-le comme il est trop beau. Après le trot je le récupère un petit peu au galop. Et on commence les barres au sol, donc voilà, là c'était le premier passage qui était un petit peu compliqué parce qu'on essayait de régler les barres. Et ensuite on peut voir qu'il s'est très très vite bien appliqué. Encore une fois j'ai un énorme défaut de main qui reste un peu trop figé. J'y travaille encore une fois, hein, j'y travaille. Mais voilà, je pense que je suis assez exigeante avec moi-même pour me permettre d'être consciente moi-même de ça. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer la séance parce que je suis très très fière de mon petit cheval qui lui par contre était top. Il a tendance à s'ouvrir habituellement sur les barres au sol. C'est pour ça que le peu de fois où j'en fais avec des reines allemandes. Tout simplement pour permettre de qu'il reste dans une bonne attitude et qu'il travaille quand même correctement. Et là finalement j'ai même pas eu besoin de les mettre parce qu'il était vraiment vraiment très disponible. Ouais, on voit qu'il s'articule vraiment bien, il pousse derrière. Oh, c'était un plaisir, il était trop bien, j'étais trop contente de lui. Quant à moi j'ai vraiment essayé de travailler mes défauts, bah, mes jambes à leur place, être redressée, droite dans ma selle, de pas trop bouger. Ça commence à venir mais vraiment voilà, c'est pas évident de régler les défauts que l'on a. Et malheureusement je me suis un peu laisser aller, je me suis trop concentrée sur Rox et sur son attitude en général et du coup bah, j'ai perdu un petit peu le niveau que moi j'avais. Mais bon, je vous dis, on travaille vraiment très très sérieusement, je lâche pas et on va y arriver. C'est déjà beaucoup beaucoup mieux que ce que c'était il y a 2-3 mois de ça. Donc on a fait vraiment pas mal de passages parce que je me suis dit que ça allait vraiment vraiment lui faire du bien. Il faisait beau en plus, donc vous allez voir, il transpire un peu parce qu'il n'est pas encore tondu, je pense le tondre début novembre si tout va bien. Voilà, le travail sur les barres au sol au galop était un petit peu plus compliqué pour lui. Il voulait absolument sauter et non juste les passer tranquillement quoi. On a eu aussi beaucoup de mal à trouver la distance qu'il fallait entre les barres adaptées à ses foulées. Mais on a quand même fini sur des passages pas trop mal, j'ai pas trop insisté, il avait vraiment bien bossé au trot. Et voilà, je suis très 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 contente de mon petit cheval. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, soyez indulgents avec moi, je suis consciente et très exigeante envers moi-même, donc je sais ce qui est à modifier sur ma façon de monter, etc. J'y travaille et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !